Bonjour, je m'appelle Alban Benoît, je suis agent de développement à la Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et je vais vous expliquer comment monter une canne à pêche pour aller pêcher au lancer. Donc je prends la canne à pêche, je désengage donc cette pièce qu'on appelle le porte-moulinet, okay, la vis du porte-moulinet. Voilà, je vais la désengager complètement. Je vais prendre donc le moulinet et venir placer donc la partie antérieure dans l'encoche prévue à cet effet et je vais venir engager donc, la vis, la serrer donc, assez fortement de manière à ce que le moulinet ne vibre pas et qu'en action de pêche, je n'ai aucun jeu donc, dans la ligne. Ensuite, je vais prendre le deuxième brin de ma canne à pêche, je vais venir l'engager sur le premier brin, voilà, et m'assurer que mes anneaux soient parfaitement alignés. Il est très important que les anneaux soient alignés puisque le fil donc passant dans les anneaux va subir quand même quelques frottements. Et si les anneaux ne sont pas parfaitement alignés, eh bien les frottements seront accrus et on perdra de l'efficacité au lancer et en action de pêche. Ceci étant fait, je vais pouvoir désengager l'arceau de pick-up, voilà, et passer ma tresse dans chaque anneau. Alors très important, surtout, prenez garde à ne pas oublier d'anneau. Sinon, là encore, on se trouve donc confronté à des forces de frottement considérables et on peut même risquer la casse lors d'un combat contre un poisson. Il ne me reste plus qu'à refermer l'arceau de pick-up, tendre la ligne et le tour est joué. Maintenant que vous savez comment monter une canne, je vous invite à vous rendre au bord de l'eau avec votre panoplie de leurre et essayer de prendre des poissons.